Salut. Salut, bienvenue dans Speed Game. Ça va ? Ça va très bien. Et aujourd'hui, on ne veut pas trop vous parler de la run que l'on va vous présenter, juste vous dire que, une fois de plus, je suis désolé, ce sera voir des Mario. Des Mario à licence archi-faite en TAS, puisque là il s'agit d'un TAS, un challenge très particulier. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est exceptionnel. C'est rare, c'est pas le genre de run qu'on voit tous les jours. Non mais on voulait vous le présenter. Il se trouve qu'on a présenté un truc similaire il y a fort longtemps pour les plus vieux d'entre vous, c'est dans 80 miles à l'heure. Et là ça avait été amélioré. On ne pensait pas que ce serait possible. Mais c'est du délire. Et largement amélioré. Largement amélioré, hein. Plus de 2 minutes. Donc, c'est ça, là ce qu'on va vous présenter c'est 8 minutes 49 et l'ancien temps c'était 10 minutes 39 par le même joueur, c'est ouais. Aguawaf. Donc les meilleurs se rappelleront de quel run on avait présenté de 10 minutes 39. Donc ils savent déjà de quoi on va parler. On vous la lance et on vous explique. On vous laisse 10-20 secondes, essayez de comprendre ce qui se passe et après on commence à vous expliquer. Hop, c'est parti. Alors, quoi qu'il en soit, en haut à gauche, vous aurez Super Mario Bros. 1. En haut à droite, vous aurez The Lost Levels. En bas à gauche, vous aurez Super Mario Bros. 2. Et en bas à droite, vous avez Super Mario Bros. 3. Voilà, donc pour ceux qui ne se rappellent pas, Lost Levels, c'est Super Mario Bros. 2, en fait, au Japon, qui n'est jamais sorti chez nous quand vous avez présenté dans Speed Game, parce que c'est un jeu extrêmement difficile, beaucoup plus dur que Super Mario Bros. Classique, en tout cas. Alors ce qui est très très marrant, c'est que... Mais c'est pas pratique, hein, franchement, présenter 4 jeux simultanément, moi je trouve ça galère. C'est on pourrait pas les faire un à un plutôt C'est vrai que c'est difficile à commenter. Hein, ça... Il se passe plein de trucs, là, bon, c'est sympa. Bon, on voit qu'il joue bien le gars, hein, ça a l'air propre quoi. Alors le temps est acceptable, alors pourquoi ce challenge, il est très connu, il est vraiment impressionnant, ce qu'on appelle un quad run. Donc écoutez bien. Imaginez un joueur qui a une manette NES, même si là on vous a dit que c'était un TAS, mais l'esprit reste le même. Il a une manette dans les mains reliée à 4 consoles, et dans chaque console, il y a un jeu différent, à savoir, dans chaque console, il y a un Mario. Voilà. Et avec la même série d'inputs, il doit terminer en même temps les 4 jeux. Voilà. Et c'est ça qui est difficile, c'est de finir les 4 jeux en même temps, au point que, vous voyez, ce qu'il fait dans Mario Bros. 1 actuellement, c'est attendre que son petit bonhomme arrive dans Mario Bros. 2. Tout ouais. En faisant des glitchs ultra difficiles, tout en faisant des techniques complètement folles, en finissant les 4 jeux. Bah franchement plus vite que la plupart des gens de toute façon. Alors ouais, c'est pareil, il passe à travers les murs. Il va utiliser quasiment toutes les techniques, les wall jump, passer à travers les murs, tous les glitches possibles qui sont similaires ou différents selon les jeux, parce que autant le 1 et le Lost Level sont très très proches. En termes de physique c'est la même chose. C'est vrai, aussi en termes de durée. Alors il faut savoir qu'avant c'était Super Mario Bros. 3 qui posait problème, qui était le plus long. Bah, il est plus long, techniquement il est beaucoup plus long. Si je vous donne les temps des records en TAS, Super Mario Bros. 1 c'est 4 minutes 57, le 2 c'est 7 minutes 41, le 3 dans des conditions normales c'est 10 minutes 25. Alors pourquoi je dis dans des conditions normales? Parce qu'il y a une nouvelle façon de le terminer qu'on appelle un game end glitch. Donc en gros c'est... C'est tout récent ça, hein, ça a quelques semaines. Le jeu est terminé en 2 minutes 54. Donc du coup, bénéficiant de cette nouvelle découverte, ça n'est plus un problème de terminer le 3. Et du coup, vous allez voir que le 3 va être terminé d'une manière un peu particulière. Oui, on a la même impression qu'il n'est pas fini. Voilà, c'est ça. Vous allez dire, mais il va jamais pouvoir avoir le temps de finir, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et c'est quand même assez dingue. Alors il y a quand même une petite magouille, on va dire, qui est faite, mais ça arrive souvent en tout l'assisted speedrun. Il peut appuyer sur haut et bas et sur droite et gauche. Ce qui lui permet, pas en fin de compte, c'est pas très utile, mais ça lui permet de le faire certains moments pour éviter de perdre de la vitesse ou ce genre de choses. C'est utile pour deux choses. C'est utile notamment pour passer à travers les murs, pour des oui. questions évidemment de collision. On peut abuser, on fait des choses pas permises par le jeu. Et deuxième chose, c'est il peut arriver par exemple que vous ayez un scrolling à gauche, notamment dans Superman. En Bros 2 et avec des séries par exemple gauche droite appuyées simultanément selon les jeux, les priorités sont pas les mêmes. Dans les Super Mario Bros 1, Lost Levels et le 3, c'est la droite qui est prioritaire parce qu'il n'y a pas scrolling vers la gauche. Ah oui. Donc en gros ce qui se passe c'est que ça peut arriver de voir le personnage de Super Mario Bros 2 aller vers la gauche et celui des trois autres jeux aller vers la droite. Et ça c'est hyper impressionnant, c'est à dire qu'il arrive en appuyant sur les deux, il y a un seul input qui est conservé on va dire par la machine. Et selon le jeu, c'est pas le même. Ça, c'est quand même fort. Mais bon, de toute façon, ça reste très contraignant. C'est un vrai puzzle. Ça devient un nouveau jeu. Ce qui sort dans Mario Bros 2. Désolé, en haut à droite, j'ai oublié de vous dire ça. En haut à droite, là, ce qui nous fait. Ce niveau-là, il est tellement galère. Et voir le voir fait comme ça. Dans Lost Levels, c'est juste fou, quoi. Ouais, il saute de manière complètement. En fait, c'est pour sauter à toutes les frames, il saute parce qu'il a des sauts à faire, en fait. Regardez, dans Mario Bros 3, c'est génial. Dans Mario Bros 2. Prenez un.
un des jeux indépendamment, vous trouvez juste que c'est un mec qui joue bien et qui fait des trucs bizarres des fois. Qui fait déjà un très bon temps, hein, parce que là, quand même, il termine en 8,49, sachant que, on va quand même expliciter, il traîne un peu quand même dans Mario Bros 3 et des fois il fait des choses pas tout à fait parfaites dans certains jeux. Oui, parce qu'il a pas besoin. Parce que, un, des fois il peut pas parce qu'il y a la contrainte d'avancer les autres jeux. Quoi, là. Mais il y a aussi une chose qu'on vous a pas explicité et qui est complètement monstrueuse en termes de puzzle, c'est que c'est pas le tout d'y jouer en même temps. C'est qu'il veut les terminer en même temps. Ouais, avant c'était pas le cas. Dans l'ancienne version de ces 4 jeux, en gros il finissait d'abord Mario Bros 1 et le jeu était un peu en pause. Il attendait qu'on termine les autres jeux. Là il veut finir les 4 jeux en même temps, ce qui est vraiment incroyable. Non, c'est ça qui est difficile. Donc il fait son routing de telle sorte à avancer rapidement dans les jeux un peu plus longs et perdre du temps dans les jeux un peu plus courts. Genre Super Mario Bros 1, on s'est tapé le monde 3 alors qu'on aurait pu warper directement au monde 4. Et pareil, dans Lost Level, on fait pas le parcours optimal parce que normalement le jeu se termine en 5 minutes et quelques. Donc il faut perdre un peu de temps, hein. on n'est pas pressé, on va dire. On n'est pas pressé. Regardez bien, là d'ailleurs on le voit bien dans Mario Bros 1, à sauter un petit peu contre les murs. Et en fait, c'est parce que le gros problème ici, c'est Mario Bros 2. Vous voyez, là, quasiment tous les autres jeux sont en pause, sauf Super Mario Bros 2, parce que là, c'est une phase difficile où il utilise Luigi pour faire des sauts vraiment fous, à moitié du vol. Et trop punitif, surtout. Et super punitif s'il meurt. Et donc là, il a, entre guillemets, il patiente dans les autres jeux pour pouvoir faire cette phase-là. D'ailleurs, il va faire un truc très drôle dans Mario Bros 3 ici. Il est tellement d'avance. C'est la première fois, à part quand on voit le 100%, il va jamais jusqu'au champignon. Vous avez un petit glitch dans celui en haut à droite, dans Mario Bros 2, dans Lost Level. Le deuxième monde, à part dans un 100%, on le voit jamais. Ensemble au monde 8, les deux mondes warp au monde 8. Ouais. Et ils font la même chose. Là vous voyez bien que c'est les deux, que les manettes sont reliées. Donc là, il faut imaginer, hein, évidemment, l'espace des consoles et sur émulateur avec l'aide d'outils, du coup, imaginer des mêmes inputs, une manette qui est configurée sur 4 émulateurs et du coup, il peut bouger ses 4 personnages, mais il y a également beaucoup de hex-editing, on va faire des copier-coller. Il est parti des travaux des meilleurs tasks qui étaient déjà faits. Oui, hein, il remercie énormément de speedrunners. Tous les speedrunners qui ont travaillé un jour quasiment sur un Mario, il les remercie. Hein. Ah bah c'est hyper communautaire. Et quoi qu'il en soit, donc voilà, il a fait des copier-coller pour justement, notamment la plupart des glitches, etc. Et ensuite, c'est très empirique. Hein. Les techniques classiques, en gros, pour pouvoir avancer dans plusieurs jeux, c'est par exemple, quand on est dans une cinématique dans un jeu, on en profite pour avancer dans l'autre, pendant un saut, quand on est collé contre un mur, et là, il s'amuse, il fait n'importe c'est quoi, génial, en l'occurrence. Dans Mario Bros 3, il veut faire un mini-jeu pour gagner des vies. Il a tellement d'avance. C'est incompréhensible. Vous allez voir, ça peut vous paraître bizarre qu'il fasse ça, mais je vous jure, il a tellement d'avance en fait dans Mario Bros 3 qu'il a vraiment du temps devant lui. Et pour une fois, ça n'est pas du tout pour manipuler la mémoire ou non, mettre non. des choses. C'est rien, c'est juste. C'est juste gratos. La classe là. Là, c'est juste, il a le temps de faire ce jeu-là tout en faisant les 3 autres jeux. C'est cool. Et il a pris les boss de Mario Bros 2, hein, très difficile, celui d'en bas à gauche. Alors chose qu'on voit quasiment jamais, parce que normalement, qu'est-ce qui se passe dans Mario Bros 3? On sait double flûte hein, au monde 1, on fait la flûte au monde 1 et ensuite on arrive au monde secret, et on prend la flûte pour le monde 8 et là il le fait à partir du 2 pour aller au 7, monde 7 qu'on voit quasiment jamais. Ouais, on voit jamais effectivement, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est là-bas que c'est des choses intéressantes vont arriver. Alors, c'est très rigolo hein. Du coup le 8-3 de Lost Level, le 8-3 très difficile. De Lost Level, regardez bien, en haut à droite c'est super dur. Si, regardez la différence hein, entre juste la quantité de sol disponible dans Mario Bros 1 ou dans Mario Bros 2. Il y a un niveau quasiment qu'on doit faire tout en volant, en rebondissant sur les ennemis. Là, et bientôt, on va voir quelque chose de très impressionnant dans Super Mario Bros 3, en fait. On regardez va voir bien, un, en bas un game à droite, and glitch. Hein. Il va y avoir une taille glitchée et il va y avoir... Parce que là, honnêtement, Mario Bros 2, on n'est pas loin de la fin. Mario Bros 1, on n'est pas loin de la fin. Et Lost Level aussi, on est... Enfin, tout le monde est très près de la fin, sauf un qui est vraiment à la bourre, c'est Mario Bros 3. Et mais en fait, vous inquiétez pas, il n'est pas loin du tout de la fin. Il prépare. Alors, il se trouve que c'est un double glitch, une série de glitch. Il y a déjà The Pipe Glitch. En gros, c'est l'idée, c'est qu'on peut rentrer dans un tuyau sous certaines conditions alors qu'on ne devrait pas. Et il y a, comme on a vu dans certains jeux, Wong, Warp, l'idée, c'est que normalement, quand on warp, donc on doit se retrouver à un certain endroit qui est prévu, on rentre dans un tuyau, on sort à un endroit qui est prévu, donc la sortie du tuyau, et sous certaines conditions, en manipulant les données de la mémoire, c'est pour ça qu'il essaye de faire en sorte d'avoir les bons ennemis dans les slots d'ennemis dans Super Mario Bros 3, il y a 5 slots, et donc voilà, il essaye d'avoir parti. Les bons ennemis, et parce qu'à chaque ennemi est associé une valeur, et comme là, il a touché une taille glitchée, en fait, ces nombres mis dans un certain ordre, ça va être réinterprété par le processeur, il va mettre à jour la mémoire, et du coup, il se passe des choses complètement anormales. Et tellement anormal qu'il va dans un endroit qui n'existe pas dans le jeu. Oui, c'est il ça, passe voilà, c'est... dessous, voilà, là vous voyez tous les glitches, hein, c'est pas normal, ça n'existe pas ça.
Alors que dans Mario Bros, il est en train de finir le jeu. Regardez bien, mais ça attend. Non, non, faut pas que tu lâches, c'est la peu. Fin. Donc faut... Non, et c'est surtout... C'est Mario Bros 2 qui l'attendait. Voilà, là, c'est la fin. Ah c'est non, fini. Faut toucher ça. Voilà, c'est ça. Voilà, et c'est terminé. Les 4 jeux simultanément. Donc, grâce au glitch dans Mario Bros 3, les deux autres jeux. En fait, le plus long, c'est Super Mario. C'est Lost Level, en fait. Du coup. Lost Level et le 2. Non, non, c'était le. C'est le 2. Ouais, c'est vrai qu'on l'attendait parce qu'il a, fait, il a rien fait pendant le 8-4 en grande partie. C'est vrai que c'est le 2 le plus long. Avec Luigi et Todd. Le Super Mario Bros 2, donc en haut à droite, sinon. Donc, The Lost Level en deuxième. Après Mario Bros 1, 5 minutes, hein, c'est quand même assez long. Hein, et puis Mario Bros 3 qui en fait, il a fait un peu n'importe quoi tout du long parce qu'il lui fallait en vrai 3 minutes pour le finir. Et donc il a meublé pendant 5 minutes de run. En tout cas pour le 2, on rappelle, hein, Luigi il saute haut et Todd il court vite. Hein, c'est pour ça vous que allez c'est voir que un les Mario fins un peu spécial. Pas, ne durent pas le même temps. Hein. Ah ça c'est clair. Elle est un petit peu plus chiadée. Quoique finalement dans le 2, elle est pas mal chiadée. 3 les plus classiques. Bon, c'est un cerf, c'est un peu facile. C'est pas un vraiment facile. Un Mario, le 2. Ouais. Enfin, à la base, ouais. C'est, mais... voilà, c'est un peu problématique. Mais bon, mais du coup, ça, il a un gameplay plutôt riche du coup. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce quad run, c'est qu'il y a deux Mario qui ont vraiment la même physique, donc là, c'est assez visible. En général, même d'ailleurs. Même le design, même, voilà. Même quasiment tout. On vous a pas dit aussi, mais il y a d'autres quad run, hein. Ils ont fait les Megaman 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Ils avaient fait aussi Megaman X et Megaman X 2 simultanément. Mais c'est des jeux qui ont des physiques très proches. Alors que là, le gros problème de cette run, c'est que le 1 et le 2, certes, ça se ressemble. Mais alors, le 1 est Lost Level, on va dire. Mais le 2 en bas à gauche et le 3, c'est vraiment différent. C'est pas du tout le même jeu. C'est pas du tout le même moteur. C'est vraiment, vraiment difficile. Alors toi, t'avais des idées de mélanger carrément deux consoles ou deux types de jeux complètement différents. Des jeux avec des gameplays différents ou alors d'autres types. Ce genre de challenge, j'adore. Donc si vous voulez un jour qu'on vous commente ou qu'on vous montre les 4 Megaman... C'est un peu plus long. Les 4 Megaman, c'est une quarantaine de minutes. Et surtout, vu qu'il y a les 4 musiques en même temps, en général, là, je vous l'ai mis bien bas, la musique du jeu. Réécoutez-le avec la musique à fond. Voilà. C'est bon pour les oreilles. Non, mais c'est expérimental. Il y a des gens qui font des choses. Alors récemment, il y a eu un truc sur ta vidéo, un truc de malade. Quelqu'un qui a commencé à faire 9 Megaman pour le coup. Oui, et ça a été annulé encore. Et ça a été annulé parce qu'en fait, il y a des gens qui ont dit ouais, non, c'est nul, débile. C'est débile, la musique, on comprend rien ce qui se passe. Et le mec, ça l'a démotivé parce que quelques-uns en fait ont réagi de manière négative, alors que franchement, moi, je trouve là ça, le challenge quoi. Putain, il y a toujours des rabat-joie. Ouais. Où est l'intérêt? Putain, mais merde. Effectivement. Là, c'est un puzzle. Moi, enfin, j'adore les puzzles. Le principe, voilà, c'est ça. C'est que là, il se lance un défi. Ça lui a demandé beaucoup de temps, hein, beaucoup de travail hein, de faire cette run, même si elle est courte. Hein, c'est pas, vous savez, hein, c'est pas parce que les runs sont courtes qu'elles demandent moins de travail. Hein, ça, dans le tas, en tout cas, on en a de la certitude maintenant. Il suffit de voir les runs en particulier, tout ce qui sort en ce moment sur les execute arbitrary code, comme ils disent. Hein, qu'on avait pu vous présenter avec Killai sur Super Mario World. C'est des runs qui demandent plusieurs années quasiment d'études et plusieurs mois de travail pour la réaliser et c'est quand même extrêmement long à mettre en place alors que la run en elle-même dure maintenant une vingtaine de secondes quoi. Ouais, maintenant il y a quand même un passif, maintenant ça peut aller un peu plus vite parce qu'on peut des fois on peut récupérer des la méthode est trouvée, des bouts de code après pour les mêmes jeux ça peut aller beaucoup plus vite, mais en tout cas ce qui est très à la mode c'est effectivement ça et tout ce qui est game and glitch, à tel point d'ailleurs que ça fait des catégories à part, ce qui est tout à fait logique hein, parce que sinon on vous représentera. Je troll un peu une run de Super Metroid en 8 minutes, un peu moins 7 minutes. On fera 2 émissions dessus. 2 émissions, voilà, 2 fois 4 minutes, parce que voilà, on va faire des émissions courtes maintenant avec Cœur de Vandal. non, on va pas être obligé. Mais voilà, c'est vrai qu'on revient souvent sur les mêmes jeux, mais c'est aussi parce que c'est eux qui ont de l'intérêt pour les speedrunners, donc on est obligé de suivre un petit peu aussi ce que eux aiment, René, hein, c'est comme ça. Mais celle-là, elle était vraiment, vraiment impressionnante de l'avoir améliorée. Puis il fait des trucs vraiment rigolos, donc c'était très sympa de vous présenter ça. Bah surtout, je pense que beaucoup, là, ça fait... il y en a beaucoup maintenant qui. Ça fait un bout de temps qu'on est sur JVC, qui connaissent même pas ou même plus 88 miles, donc qui de toute façon ne l'avaient pas vu, je pense. Effectivement, hein. J'en suis sûr aussi. Donc c'était l'occasion de voir ça. Bon, à la semaine prochaine, ça marche ? Ah oui, ça devrait aller. Ouais, allez, à la semaine prochaine. Salut, salut. À la semaine prochaine. Salut. Bon, on a presque notre quota d'émission Nintendo. Ouais, je sais plus, je crois que c'est 10 ou 12 minimum par an. Ouais.